toujours dans le cadre de nos conférences Meet the Expert, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui un de nos amis d'Erasme de Belgique qui va nous présenter les 18 épidémies. Donc, je laisse le soin à notre présidente, Dr Sarah Maitachou, qui va présenter notre invité. À toi, Sarah. Bonsoir tout le monde. Comme notre professeur Ben Khaddal l'a dit, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir parmi nous le monsieur Philippe Van de Born, qui est professeur en cardiologie à l'hôpital Erasme et qui s'intéresse beaucoup à l'hypertension artérielle et aux facteurs de risque cardiovasculaire en général. Il a eu la gentillesse d'accepter notre invitation pour nous parler des dyslipidémies ce soir. À vous la parole, cher professeur. Un grand merci. Merci, professeur Benkada, pour la créable invitation. Un grand merci, Sarah, pour les différentes initiatives. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien la prévention cardiovasculaire. Il y a certains aspects dans la recherche que j'apprécie aussi particulièrement, qui sont la rigidité artérielle, la compliance artérielle, le système nerveux autonome, des choses comme ça. Donc, moi, je vais vous faire une revue sur qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le domaine des lipides. C'est inspiré du cours que j'ai donné pour l'enseignement interuniversitaire francophone belge pour des assistants en cardiologie. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. J'ai déjà vu que finalement le cours un peu virtuel à distance, ça n'empêche pas du tout une bonne interaction finalement. Certaines personnes d'ailleurs se sentent plus à l'aise, j'ai remarqué, pour poser des questions quand c'est à distance. Donc voilà, on interagit parfois plus. Alors, si vous voulez trouver les informations sur lesquelles reposent ces présentations ici, une bonne partie se trouve dans les recommandations 2019 de la Société européenne de cardio. Je ne vais pas évidemment reprendre ça ici parce que ce serait vraiment ennuyeux de reprendre tous ces tableaux, etc. Je vais vous donner une vue un peu personnelle des différentes choses. Et peut-être aussi des nouveaux développements qui vont venir dans le domaine des lipides. Alors, ça, c'est une diapositive que j'aime bien montrer parce que c'est une diapositive lipidocentrique, je dirais, dans laquelle on considère que finalement le primum movens, celui qui est responsable de tous nos problèmes cardiovasculaires, ce sont les lipides. Bon, ça vient de Current Opinion in Lipidology, donc vous pouvez bien vous douter qu'ils ont un avis un peu partial sur la chose. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que, et je trouve ça intéressant, c'est que finalement, l'élévation des lipoprotéines hétérogènes est vue comme étant la cause des affections cardiovasculaires, pour une grande partie, et que cette cause est exacerbée par les autres facteurs de risque cardiovasculaire que nous connaissons. À savoir que, ben, à la limite, selon eux, si on a un LDL cholestérol particulièrement bas, eh bien, le risque conféré par le tabac est moindre. De même pour le diabète, on peut montrer que des mutations génétiques qui affectent les taux de LDL cholestérol à des valeurs très basses, eh bien, ça a un effet protecteur important sur le risque de maladie cardiovasculaire du patient avec un diabète de type 2. Ainsi de suite pour l'hypertension, etc. Donc il y a une vision un peu glucocentrique ici, mais qui est intéressante et qui colle assez bien un petit peu avec ce qu'on voit ici, à savoir que sur cette diapositive que vous avez sûrement vu déjà, on a représenté en bleu les patients qui ont une affection coronarienne stable et en rouge les patients qui ont une affection coronarienne aiguë, instable et une influence des statines et de la réduction du LDL cholestérol sur les événements cardiovasculaires, fataux et non fataux à 5 ans. Alors, ce graphique a rien d'intéressant finalement, sauf si on s'y attarde un peu. Et comme je commence quand même à avoir pas mal d'années là de cardio derrière moi, avant que je devienne cardiologue, il y avait l'étude 4S qui a été publiée, dans laquelle on a comparé versus placebo l'administration de la simvastatine à des patients coronariens instables.
Et vous voyez que les taux auxquels on partait à ce temps-là, c'était dans les 190 mg par décilitre. Et ben voilà, ces patients ont été comparés par rapport à la simple simvastatine, 40 mg, et on a eu une réduction substantielle de la mortalité et des événements cardiovasculaires chez ces patients. Alors, qu'est-ce qu'on voit au cours du temps? Eh bien, vous voyez qu'entre des taux qui étaient au départ de 190 mg par décilitre de LDL cholestérol, eh bien, de fil en aiguille, d'étude en étude, et elles ne sont pas toutes montrées ici, on est arrivé à 80 mg de LDL cholestérol, voire moins même. Et vous voyez que cette réduction du LDL cholestérol, donc les cercles ici pleins, les disques sont les groupes actifs, et ceux qui sont ouverts sont les placebos ou le comparateur actif. Bien, vous voyez que ben, parallèlement, les événements cardiovasculaires ont diminué de presque 25% dans l'étude 4S à 5 ans, à plus ou moins 5%, maintenant 2, 3, 4% sur la période de 5 ans. Donc, l'histoire naturelle de la maladie coronarienne stable qui, dans les années peut-être 70, 80, était quand même quelque chose de redoutable avec un événement qui survenait pour quatre patients durant les 5 ans. Eh bien, c'est devenu finalement un phénomène beaucoup plus bénin, plus banal. On considère que la maladie coronarienne stable, finalement, c'est quelque chose où il y a 1 ou 2% de décès par an. Donc, l'histoire naturelle de cette infection a été complètement modifié, évidemment pas uniquement par les lipides qui ont été contrôlés, parce qu'il y a tout le reste qui est venu avec, mais on voit que ça a très certainement contribué à l'amélioration du pronostic dans ces patients. Les syndromes coronariens instables, mais ils ont évidemment un risque cardiovasculaire plus important parce qu'ils ont aussi, je dirais, des plaques plus instables, etc. Mais on retrouve ici aussi les effets bénéfiques des statines, quoi. Donc, bon, il y a une relation dose-réponse entre la réduction de LDL cholestérol et le bénéfice cardiovasculaire. Alors, l'hypercholestérolémie familiale a ceci de particulier qu'il s'agit d'une hypercholestérolémie qui est présente donc, depuis les premiers jours de la vie, quoi, déjà dans le ventre de la maman. Il y a un taux de cholestérol qui est trop haut ou trop bas. Et c'est ça le point qui est vraiment intéressant maintenant, c'est qu'avec la génétique, on comprend beaucoup mieux les mécanismes, si vous voulez, de l'hypercholestérolémie et de l'hypocholestérolémie sur le pronostic cardiovasculaire. Donc, c'est ce que j'ai repris maintenant ici, c'est un petit peu ce que vous avez sûrement vu dans les différents congrès, à savoir qu'on considère que finalement, les plaques d'athérome et les événements coronariens sont la résultante d'une intégrale au cours du temps des dépôts de lipides dans les parois. Et plus il y a des contacts avec les lipides dans les flux, là où il y a des flux turbulents, plus il y a des dépôts et c'est là où les plaques vont se mettre. Et on peut démontrer que quand un sujet a été exposé à l'équivalent de 5 grammes de LDL cholestérol au niveau de ses plaques, au niveau de ses parois artérielles, on peut montrer que c'est à ce moment-là que le risque de développer un infarctus myocardique commence à apparaître. Et vous voyez que bon, quand on a finalement eu une exposition d'un équivalent de 10 grammes de LDL cholestérol sur nos parois artérielles, eh bien, le risque devient 16%. Et donc, ça génère l'impression qu'on a actuellement, qui est que si on a des mutations protectrices qui abaissent notre LDL cholestérol, par exemple ici à 80 mg par décilitre, eh bien, le moment où on atteindra le seuil de risque de faire un événement coronaire de 1%, eh bien, ce sera plutôt vers les 60-70 ans. À l'inverse, si on a une hypercholestérolémie familiale, comme vous le savez, eh bien, on peut avoir un risque d'infarctus myocardique qui débute déjà beaucoup plus tôt, par exemple à 20 ans, quoi. Et avec nos patients, eh bien, on se trouve quelque part ici au milieu. Ce qui est intéressant ici, même si ce n'est pas applicable, mais je trouve sur un plan conceptuel, c'est intéressant, et peut-être qu'un jour, ce qu'on dit ici, qui paraît un peu fou, va devenir la règle, je ne sais pas. Mais ça fait penser que si on pouvait abaisser le LDL cholestérol très très tôt,
bien avant que finalement les personnes aient déjà accumulé une grande quantité de LDL cholestérol dans leurs parois artérielles, eh bien, peut-être qu'on pourrait avoir un effet protecteur majeur au niveau de la population. Et peut-être que déjà à ce stade-ci, on n'a pas facile à faire prendre des statines et les autres médicaments par nos patients, mais peut-être qu'on est encore finalement, on agit probablement déjà trop tard quand il y a plein de plaques qui sont instaurées. Et pour preuve, ici, vous avez un exemple sur l'abscisse de la réduction du LDL cholestérol en milligrammes par décilitre et en d'ordonnée la réduction des événements coronariens dans différentes situations. Celles qui sont situées, la courbe ici au-dessus, sont des situations où vous avez une réduction du LDL cholestérol suite à des mutations protectrices. Et je reviendrai sur une protéine qui s'appelle PCSK9, qui, quand elle ne fonctionne pas, aboutit à une réduction du LDL cholestérol. Et on a comme ça, de temps en temps, vous avez sûrement vu aussi, des personnes qui ont, à la prise de sang, un LDL cholestérol à 50, mais qui ne sont pas dénutries et qui ne font pas de régime et qui ont probablement l'une ou l'autre mutation de ce type-là. Eh bien, vous pouvez voir qu'avec la perte de fonction donc génétique de PCSK9, eh bien, on réduit la maladie coronarienne de 25% pour une réduction de 15 mg de LDL cholestérol par décilitre. La même réduction obtenue durant un temps plus court, en commençant beaucoup plus tard, avec l'étude ici IMPROVE-IT par exemple, eh bien, vous voyez que vous avez une réduction des événements coronariens qui est bien moindre, de l'ordre de 5%. Donc, on a l'impression quand même que avoir une réduction précoce et relativement intense et très prolongée du LDL cholestérol prévient probablement, ça semble logique, il faudra le démontrer, mais prévient probablement les plaques d'athéro. J'attire votre attention ici sur le récepteur de Niemann-Pick. Le récepteur de Niemann-Pick, en fait, c'est celui que nous inhibons avec les étimibes, en fait. Et donc, c'est intéressant de remarquer qu'il y a aussi des mutations génétiques qui reproduisent l'action de les étimibes sur les récepteurs qui induisent le transport du cholestérol au niveau digestif, avec aussi alors une réduction du LDL cholestérol et un effet, vous voyez, quand même important de l'ordre de 10% de réduction sur une longue durée d'abaissement avec un LDL cholestérol finalement pas très abaissé, quoi. Voilà, donc on pourrait dire aussi, et j'aime bien cela aussi, c'est que on pourrait dire ben, peut-être que si les médicaments ne font pas aussi bien, c'est qu'ils ont quand même aussi d'autres actions qu'une mutation qui cible que sur un petit problème particulier. Et par exemple, on pourrait dire que les hautes doses de statine sont un peu diabétogènes et peut-être qu'à la longue, finalement, en prenant une haute dose de statine n'arrivera jamais à générer ce qu'une perte de fonction spécifique permet de générer au niveau des taux de LDL cholestérol. C'est une autre éventualité qu'on ne peut pas exclure. Alors, voilà une analyse comparative dans laquelle vous pouvez voir la réduction du risque coronaire par réduction de millimoles par litre de LDL cholestérol, donc à peu près 36-40 mg par décilitre. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ben, on a une réduction de 54% du risque d'événements coronariens avec une réduction donc similaire, mais sur une période très longue, par rapport à ce qu'on peut obtenir sur des périodes plus courtes avec des statines, quoi. Donc ça, c'est un peu l'idée. Alors, quelles sont les mutations que l'on peut trouver dans les récepteurs et dans le contrôle du LDL cholestérol qui sont responsables de l'hypercholestérolémie familiale? Donc, il y a celles que vous connaissez. Bien sûr, si on a une mutation sur la peau B, ben on a quand même des difficultés à prendre le LDL cholestérol sur les récepteurs LDL, bien sûr. On peut avoir les récepteurs LDL qui sont absents. On peut avoir une petite protéine qui manque ici pour l'internalisation du récepteur LDL cholestérol avec son cholestérol. Et alors, la découverte que vous connaissez aussi,
C'est la découverte récente, enfin semi-récente, il y a 10 ans, maintenant déjà de PCSK9. Mais il y a des nouvelles solutions thérapeutiques. Je vous dis tout de suite, pour la Belgique, certainement incertaines, parce que ces médicaments coûtent très cher et ils sont très difficiles à obtenir chez nous. Mais pour les pays plus riches, c'est des choses possibles. Alors, j'aime bien reprendre cette diapositive ici pour ceux, si parmi vous, vous connaissez un peu moins PCSK9, donc c'est un détail dans l'épidémiologie, mais avec des implications thérapeutiques. J'aime bien montrer cette diapositive parce que elle vous montre, ça vient d'un supplément du New England, elle vous montre que, un, on peut doser la quantité de protéines circulant de PCSK9 au niveau du plasma. Et c'est une étude dans laquelle on a donné un médicament qui bloque PCSK9, mais ce n'est pas ça qu'on va regarder maintenant. On va regarder ce qui se passe avec PCSK9 quand on fait simplement un régime hypocholestérolémiant, quand on fait un régime et qu'on prend 10 mg d'atorvastatine, un régime et 80 mg d'atorvastatine, et le traitement maximal qui est Atorva 80, lésétimib 10 mg plus le régime. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que eh bien, plus on pousse nos patients à faire un régime et à prendre un traitement plus intense, plus la quantité de PCSK9 circulante augmente. Vous voyez, on passe de 330 à 528, donc on a un peu moins d'un doublement du taux plasmatique de PCSK9. Alors, quelle est la résultante de ça? Eh bien, vous voyez ici ce à quoi PCSK9 sert, et on ignorait ça totalement. Moi, j'ai commencé la médecine sans qu'on connaisse du tout PCSK9. Vous voyez ici, PCSK9 est sécrété en même temps qu'on produit au niveau de l'hépatocyte des récepteurs à LDL. Et puis, le récepteur est mis à la surface de la cellule et PCSK9 va se combiner au récepteur, à la particule LDL, et l'ensemble est phagocyté. Et quand PCSK9 est là, eh bien, en fait, le récepteur est détruit avec tout ce qu'il contient et PCSK9 avec. Donc, si on a beaucoup de protéines PCSK9, eh bien, on limite quelque part, on protège l'hépatocyte contre les effets d'une surcharge majeure, par exemple lipidique, en présence de plein de récepteurs LDL qui constituerait une phagocytose massive de lipides extérieurs. Donc, PCSK9 est une protéine contre-régulatrice qui réduit la quantité de récepteurs LDL à la surface du foie. Et ça se voit ici, c'est que plus on va intensifier le contrôle des lipides par nos médicaments, eh bien, plus l'hépatocyte sécrète PCSK9 et nous empêche finalement d'augmenter le nombre de récepteurs LDL à la surface du foie. Et c'est ce qui explique, je vais y revenir avec une dia tout à l'heure, que quoi qu'on fasse avec la atorvastatine 80, les étimib, le régime, tout ce que vous pouvez imaginer, vous n'arriverez pas à baisser plus le LDL cholestérol de plus de 60%. Parce que ben, le mécanisme contre-régulateur interagit contre ce qu'on essaie de faire, donc d'augmenter l'endocytose du LDL cholestérol, eh bien, il limite l'efficacité de notre traitement. Et c'est pour ça que maintenant, les thérapies qui consistent à donner des anticorps monoclonaux aux patients avec une hypercholestérolémie familiale, c'est la seule indication dans laquelle ils sont remboursés chez nous, et à condition que le LDL cholestérol reste très haut malgré le traitement médical. Et bien, c'est pour ça que maintenant, quand on enlève PCSK9, eh bien, on a, vous voyez, un retour des récepteurs LDL à la surface des hépatocytes, et donc on retrouve une efficacité complète de nos traitements hypocholestérolémiants quand on bloque ceci. Et ça vous explique aussi, pour ceux qui suivaient un peu moins ceci, que si on a une mutation qui fait que PCSK9 est inopérante, eh bien, du coup, ben, on a plus de récepteurs LDL cholestérol à la surface du foie. Et dès lors, c'est possiblement une personne que vous voyez, vous faites une prise de sang de routine et vous avez un LDL cholestérol à 45. Vous dites vous prenez des statines, vous faites un régime, vous êtes végétarien, qu'est-ce qui se passe? Et la personne vous dit, ben non, voilà, mais dans ma famille, il n'y a pas d'infarctus du myocarde. Et parfois, il y en a qui fument et tout ça, et ils disent, regardez, moi, il ne m'arrive rien. Mais parfois, il y a la génétique qui explique ça. Alors, voilà, donc ça, c'est l'explication. Donc, c'est tiré d'une ancienne figure, c'était dans les recommandations.
Vous voyez que quoi qu'on donne à la dose la plus forte possible, on n'arrivait pas à dépasser 60% de réduction de LDL cholestérol. Et maintenant, effectivement, ben, on a compris pourquoi l'effet de la saturation de nos traitements hypocholestérolémiens et pourquoi on arrive encore à aller plus bas qu'on arrivait avant. Alors, je ne sais pas chez vous, mais probablement c'est la même chose qu'ici. Quand on demande à nos patients s'ils trouvent qu'ils prennent trop de médicaments, j'ai pas entendu un seul patient qui me dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et tous les patients veulent arrêter leur traitement en partie ou réduire le nombre de pilules et tout. Et c'est particulièrement vrai pour les statines parce que les statines ont une mauvaise presse. Qui repose pas sur des évidences scientifiques, mais qui est très accessible au public. Et donc, ben, les patients arrêtent les traitements. Et donc, je vais donner deux, trois mots sur la pseudo-controverse, parce que c'est une pseudo-controverse des statines, essentiellement pour donner aussi des arguments pour répondre aux patients quand certains patients sont tellement convaincus, ça sert à pratiquement à rien d'essayer de les rassurer, mais il y a d'autres patients qui peuvent écouter éventuellement ce qu'on peut leur dire. Alors, les deux protagonistes qui ont semé le doute dans l'esprit de nos patients sont essentiellement ces deux personnes. L'un, c'est le docteur de Lorgeril, et l'autre, c'est le professeur Even, mais qui maintenant, je pense, a arrêté parce qu'il est fort malade. Mais le docteur de Lorgeril reste très, très actif. Et j'ai repris ici quelques-unes de ces livres avec leur prix, et donc on peut acheter ça. Et vous voyez que les titres sont quand même très forts, hein. Dites à votre médecin, donc c'est le patient qui doit expliquer au médecin que le cholestérol est innocent. L'horrible vérité sur les médicaments anticholestérol, c'est normal que ça interpelle nos patients. Cholestérol, mensonge et propagande, vous voyez un peu. Et maintenant, comme le cholestérol, ça devient un peu moins intéressant peut-être. Il fait aussi un livre contre les vaccins. Donc, il faut éviter les vaccins. Alors, évidemment, chaque fois qu'il y a un livre comme ça qui sort, hop, il y a une vague qui réitère ça dans les médias, avec alors les patients qui viennent nous téléphoner, tout ça. Le professeur Even a encore frappé, etc., etc. Alors, un des livres de Monsieur de Lorgerie était disponible de manière gratuite, parce que j'ai quand même pas été jusqu'à l'acheter, mais il était disponible de manière gratuite. On ne savait pas tout avoir, mais on savait avoir quelque chose comme 80%. Donc j'ai lu, moi, son livre, parce que la plupart des gens qui réitèrent ce que la presse raconte, eh bien, ils n'ont pas lu le livre. Et donc il y a plein d'arguments là-dedans qui sont très fallacieux, et je voudrais surtout vous en montrer un ici, qui est l'argument phare qui est donné dans son livre. Et donc, monsieur de Lorgeril dit qu'il est cardiologue, mais en fait, c'est un nutritionniste, en fait. Et donc, dans le livre, il explique que dans les études qui ont été faites avant les années 2000, en fait, toute la recherche était falsifiée. Et était, je dirais, manipulé par l'industrie pharmaceutique. Et dès lors, le fait que l'étude 4S a réduit la mortalité totale, comme on le voit ici, ça ne peut être que le résultat d'études qui sont falsifiées. Et donc, ils ne croient pas à ces résultats. Mais nous, on a vu que, ben voilà, on partait d'un LDL cholestérol qui était à 190 mg par décilitre. Il n'y avait pas tous les autres traitements qu'on a maintenant. Et quand on est à peu près, quand on a, je dirais, une action majeure sur l'LDL cholestérol, et bien sur une période de temps relativement courte, 4 ans, bien ils ont réduit la mortalité. Et donc, comme c'est avant 2000, Monsieur de Lorgerie ne croit pas à ça. Et pour preuve que ces résultats étaient bien falsifiés. Et qu'après l'année 2000, il y a une conscientisation de l'industrie sur le fait qu'il fallait plus chipoter et modifier les résultats et les falsifier. Eh bien, pour preuve, dit Monsieur de Lorgeril, après 2000, je crois les résultats. Et là, effectivement, il montre que ben, les études sur les statines, eh bien, en une fois, n'ont plus d'effet sur la mortalité cardiovasculaire.
Donc le problème, vous voyez ici, alors là, je crois à ces résultats. Alors, le problème, vous voyez ici, c'est que si on a affaire à des patients, des gens qui n'ont pas d'éducation médicale, ils n'ont pas du tout la capacité de pondérer ça, et les journalistes non plus. Or, ce qui se passe ici, c'est qu'après 2000, eh bien, ce sont des études qui sont des études dans lesquelles il n'y a plus de placebo. Parce qu'après l'étude 4S, il n'était plus admissible de laisser quelqu'un sous placebo pour démontrer qu'une autre statine ou une autre modalité hypolipémiante allait réduire mieux que le placebo, puisqu'on savait que le placebo était moins bon que la simvastatine. Et c'est comme ça que progressivement, eh bien, il y a eu des études avec des traitements plus intenses ou moins intenses qui ont montré des effets sur la morbidité cardiovasculaire, mais qui n'ont pas montré au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, vous voyez ici 2004 jusqu'à 2015, on a finalement obtenu une équivalence sur la mortalité cardiovasculaire, même avec les anticorps monoclonaux, la mortalité cardiovasculaire ne diffère pas, mais la morbidité diffère encore. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'éducation médicale, pas d'éducation scientifique, est incapable de comprendre que ici la mortalité diminue parce qu'on compare un traitement actif à une absence de traitement, et que là, la mortalité ne diffère pas parce que la médecine a évolué et parce que maintenant, on compare deux traitements actifs. Quoi. Et tout le livre est comme ça, donc il y a toute une série de points parmi les graphique là, que je vous avais montré au début, mais il enlève un certain nombre de points en disant cette étude, je ne la crois pas, cela non plus, cela non plus. Et alors, il arrive à P égale 0,051111. Alors, il dit les statines, il n'y a pas d'effet significatif sur la mortalité. Donc, malheureusement, il faut aller dans le livre pour se rendre compte de tout ça. Et bon, ça permet, je pense, une fois qu'on l'a lu quand même, d'avoir des arguments à répondre éventuellement aux patients qui seraient prêts à discuter, ils ne le sont pas tous. Alors, implication pratique, une question que j'ai souvent, c'est quand est-ce qu'il faut débuter des mesures pharmacologiques et ou des mesures non pharmacologiques en prévention primaire, quand le patient n'a pas de risque cardiovasculaire ou qu'il est proche de zéro. Hein, donc, à la fois, quand débuter la prise en charge et quand est-ce qu'il faut l'intensifier sont peut-être les deux éléments les plus intéressants. C'est les deux seuls que j'ai gardés ici des recommandations de SC. Alors, en fait, ça se trouve dans ce tableau-ci. Donc, vous voyez que si on est en prévention primaire, qu'on a un risque cardiovasculaire très faible de moins de 1% à 10 ans, donc vraiment très faible, eh bien, on considère que si le LDL cholestérol dépasse 116 mg par décilitre, eh bien, qu'il faut faire des modifications d'hygiène et de diète. Mais il n'y a pas de traitement pharmacologique qui est instauré à ce stade-là. Par contre, quand on est en prévention primaire à risque extrêmement faible, si le LDL cholestérol dépasse 190 mg par décilitre, eh bien là, un traitement pharmacologique est conseillé avec un niveau 2A, donc ce n'est pas un niveau 1, mais il faudrait le faire, quoi. Ah, donc voilà, ça répond à cette question. Donc avec un risque proche de zéro, il faut intensifier l'hygiène et la diète si on est plus au-dessus de 116, ce qui est très fréquent. Et par contre, l'intervention pharmacologique à ce stade-ci n'est recommandée que si on a une valeur au-dessus de 190 mg par décilitre. Et alors, à l'inverse, vous voyez qu'en prévention secondaire, quand on est généralement à risque élevé ou très élevé, vous voyez que ben, il y a des mesures hygiéno-diététiques qui sont mises en route même quel que soit le LDL cholestérol, et le traitement pharmacologique intervient pour un LDL cholestérol qui dépasse les 55 mg par décilitre, voire même plus, parce qu'on conseille de baisser de 50% les valeurs de départ et d'arriver en dessous de 55 mg par décilitre. Donc, quand même, la pharmacologie là, est mise en route chez la majorité des patients. Et alors, ceci, c'est une DIA qui résume les différents seuils à atteindre en fonction du risque cardiovasculaire que présente le patient. L'objectif actuellement étant d'essayer d'arriver à 55 mg par décilitre,
ce qui est en fait, en mon sens, beaucoup moins difficile qu'il peut y paraître. Généralement, avec 40 mg d'atorvastatine, 10 mg d'ezetimibe et un régime quand même, on arrive généralement à des taux qui sont proches de ça, ou en tout cas au moins en dessous de 70 mg par décilitre, ce qui est déjà quand même pas mal. Alors voilà la réduction que vous pouvez obtenir, et j'ai repris ça ici du tableau de l'ESC, en fonction du type de statine que vous administrez. Et donc vous voyez que quand même avec une statine de haute intensité, plus des ezetimibes, on arrive à baisser le LDL cholestérol de 65%. Donc ça permet quand même de réduire de manière assez considérable le LDL cholestérol, pour autant que le patient ne soit pas un antagoniste des statines ou qu'il ait des effets secondaires. Je suis toujours un peu dubitatif par rapport aux effets secondaires des statines, mais bon, manifestement, ça existe quand même chez certains patients. Alors, on arrive à aller plus loin, hein, si on donne un inhibiteur PCSK9, qui chez nous est extrêmement difficile à obtenir. Je vais vous montrer des données qui viennent de la Belgique. Alors, voilà justement la Belgique. Donc, on a fait une étude internationale qui s'appelait l'étude Da Vinci, qu'on a publiée dans un journal de prévention. Et dans cette étude, on a été voir un petit peu comment ça se passe en Belgique en termes de prévention cardiovasculaire. On a été voir notamment, figurez-vous, en médecine générale, mais aussi chez les médecins spécialistes, pour voir un petit peu comment ils se débrouillaient. Donc ça, c'est l'étude Da Vinci. C'est le docteur Ray, que vous connaissez peut-être, qui travaille en Angleterre, qui était le premier auteur de cette étude, qui était une étude européenne. Alors voilà les études qui ont participé. Alors en Belgique, nous, on a été dans le centre qui a recruté le plus de patients, la raison pour laquelle on a pu figurer comme co-auteur sur la publication. On n'a pas fait beaucoup plus que ça. Et donc, 8% des 6 000 patients, 500 patients en fait venaient de la Belgique. Donc, je vais montrer les données chez ces 500 patients. Alors, la plupart, 70% venaient d'hôpitaux. Et alors, on a une trentaine de pourcents qui viennent de nos collègues de médecine générale. Alors, les caractéristiques des patients. Donc, vous voyez que on retrouve les caractéristiques habituelles de patients à risque cardiovasculaire, avec 15% de tabagisme, une dizaine de pourcents d'insuffisance rénale, la moitié pratiquement de diabétiques, 70% d'hypertendus, un petit peu de surcharge pleurale. Personnellement, j'étais super complètement étonné du niveau de pression artérielle qui était mesuré, 135, 60, 76. C'était vraiment très étonnant que ce soit aussi bien contrôlé, c'est un peu inhabituel. Et alors, bon, là, ils avaient 67 ans en moyenne, un peu plus d'hommes que de femmes. La moitié était en prévention secondaire, l'autre moitié était en prévention primaire. Et voilà les types de pathologies cardiovasculaires que présentaient les patients. Il y avait pas mal de patients avec de l'artérite des membres inférieurs, pas mal de patients avec une maladie coronaire et pas mal de patients avec un antécédent cérébral. Vous allez me dire, oui, mais les uns et les autres sont concomitants, bien sûr, mais ici, c'est le dernier événement qui qualifie pour l'attribution, je dirais, au domaine. Et ceci, le risque à 10 ans de la maladie cardiovasculaire, donc pas par la table de score, mais par des tables adaptées à des patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire établie. Donc, vous voyez que il y avait des patients quand même qui avaient un risque qui était supérieur à 30% d'événements à 10 ans. Et sinon, c'était 36% à 10 ans, donc des patients quand même à très haut risque. Alors, voici les traitements qui sont administrés en Belgique. Hein, donc, c'est tout récent comme étude. Donc, on voit que nos collègues utilisent surtout des statines d'intensité modérée, comme la pravastatine 40 mg. Les hautes intensités sont moins utilisées, alors qu'il y a quand même beaucoup de patients à très haut risque. Et alors, là où il y a vraiment un manque, je pense, c'est l'association à l'ezetimibe. Parce que vous voyez que finalement, il n'y avait que 8% des patients qui avaient de l'ezetimibe dans leur traitement. Et alors, dans cette étude, il n'y avait qu'un patient qui prenait un inhibiteur PCSK9, vous montrant que c'est difficile dans notre pays d'avoir ce traitement remboursé. Les critères pour y arriver sont extrêmement difficiles à atteindre.
Alors, au total, bien sûr, ça ne vous étonne pas par rapport aux recommandations 2019, eh bien, en prévention secondaire, on n'avait que 18% des patients qui atteignaient les objectifs que nous fixe la Société européenne de cardiologie, qui sont donc très stricts, comme on l'a vu, puisqu'on doit arriver en dessous de 55 mg par décilitre chez ces patients. Et ce n'est pas avec une statine d'intensité modérée et exceptionnellement un peu des étimibes et pratiquement jamais d'inhibiteur de PCSK9 qu'on y arrive. Ça ne vous étonne pas. Mais donc, ceci reflète assez bien ce qui se passait dans les autres pays européens, et notamment par rapport à la France, parce que les remboursements sont différents en Europe d'un pays à l'autre, mais la Belgique était très similaire à la France en ce qui concerne ces paramètres. Alors, parmi les nouveautés qui vont venir, donc je continue un petit peu sur les nouvelles choses qui peuvent nous arriver dans les années à venir. La première, c'est cette thérapie ici qui est très intéressante et qui sera peut-être plus accessible parce que son coût sera vraisemblablement moindre. On anticipe que le coût de ce traitement sera proche de celui des anticoagulants directs. Donc, ce sera a priori quand même plus accessible. Donc, c'est un ARN interférent, un petit peu comme la technique de vaccination, la Pfizer, pour lutter contre la COVID-19. Donc, c'est un ARN interférent qui possède à son extrémité une terminaison très particulière qui fait qu'il est entièrement capté par l'hépatocyte. Donc, il y a une avidité de l'hépatocyte, des hépatocytes pour cet ARN interférent qui est administré par voie sous-cutanée et qui possède en fait un petit brin antisense qui va se lier à l'ARN qui code pour la protéine PCSK9 que nous avons vue ensemble et qui empêche simplement la traduction et la lecture de l'ARN natif avec pour résultante une disparition de la production de PCSK9 à la surface de l'hépatocyte. Il n'y a plus de PCSK9 circulante. Et ce qui est très particulier, je dirais, dans ce traitement, c'est que l'ARN inhibiteur persiste pendant de nombreux mois à l'intérieur de l'hépatocyte. Et ça a donné des résultats vraiment surprenants que je vous montre ici. Si vous n'avez pas suivi ça, donc c'est fabriqué par Novartis, c'est des dia qui viennent d'eux. On administre ceci de manière sous-cutanée. Et vous voyez qu'après une première administration, on donne une deuxième dose après 3 mois. Et puis, les doses peuvent être espacées tous les 6 mois. Ceci est donné en plus d'un traitement de fond hypolipémiant. Et les résultats sont assez impressionnants. Et surtout, la tolérance est totalement, totalement surprenante parce que l'administration d'ARN génère d'habitude une réaction inflammatoire intense. Le système immunitaire est particulièrement apte à reconnaître un ARN étranger parce que ça fait partie de notre défense innée contre les virus. Cette défense est extrêmement forte à tel point que normalement aucun ARN étranger n'arrive à rentrer ne génère de réactions auto-immunes et inflammatoires marquées. Or ici, dans la formulation de cet ARN, ils ont mis autour de ça une espèce de capsule lipidique qui fait que cet ARN est caché, si vous voulez, et échappe complètement à notre système de surveillance immunitaire. Alors, la résultante de ça, c'est que ce traitement est extrêmement bien toléré. On n'arrive pas à montrer d'effets secondaires pratiquement avec ce traitement. Vous voyez, il y a déjà pas mal d'années maintenant de suivi de ceci. Et la seule réaction que l'on voit, c'est une petite réaction légère au niveau du site d'injection. Vous voyez, ça représente à peu près à peu près 0,5% des patients ont une réaction légère au site d'injection avec le placebo. Et ça fait à peu près 4% des patients avec l'inclisiran. Certains ont des réactions plus modérées, mais sinon, c'est tout. Et au total, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, c'est ça qui est vraiment incroyable, avec pas de,
pas de dose limite, pas de toxicité, pas de preuve de carcinogénèse. Enfin bref, on n'arrive pas à trouver d'effets secondaires jusqu'à présent dans une série d'études qui sont en cours. Et c'est pour ça qu'on pense que ces traitements vont probablement devenir disponibles de manière large. Donc, il y a eu des études qui ont été faites dans l'hypercholestérolémie familiale, dans des patients avec une pathologie athérosclérose, qui gardent un LDL cholestérol au-dessus de 70 malgré le traitement médical maximal. Ça, je pense que c'est un objectif quand même raisonnable, parce qu'on a des patients qui restent au-delà de ces valeurs sous la dose maximale de statine et des imides tolérables par eux, quoi. Alors, voici les effets de ces traitements. Donc, vous voyez qu'en plus de l'administration de statine, donc il faut avoir de la atorvastatine 40 ou 80 ou de la rosuvastatine 20 ou 40, plus de lézétimibe si c'est possible. Et alors, plus alors le traitement, vous voyez ici que on a une réduction du LDL cholestérol supplémentaire de l'ordre de 45%. C'est pour ça que les anticorps monoclonaux, que nous n'arrivons pas à atteindre de toute façon, à obtenir, eh bien, vont probablement disparaître et vont être remplacés par ce traitement. Alors, il y a une grosse étude actuellement de morbi-mortalité qui est en cours, mais malheureusement, en tout cas, la Belgique n'y participe pas. On est un pays trop petit pour y participer. Mais on aura prochainement les résultats de ces études. Donc, vous voyez, au total, voilà une molécule qui a l'air prometteuse. Si elle n'est pas trop onéreuse, eh bien on pourra peut-être l'administrer à nos patients. L'avantage ici aussi, c'est pour les patients qui sont incompliants avec leur traitement et qui oublient leur traitement. Ben, s'ils viennent une fois par an, eh bien, ou deux fois par an, on pourrait leur administrer encore le traitement de manière sous-cutanée. Et bon, voilà, je pense que ce n'est pas un traitement idéal si on ne prend pas de statine à bord malgré tout. Voilà, donc ce sera probablement indiqué dans l'hypercholestérolémie familiale ou aussi chez les patients en prévention secondaire. Alors, il y a une autre lipoprotéine qui est aussi intéressante, pour laquelle il y a des études en cours. Et là, par contre, on y participe à cette étude. C'est la lipoprotéine petit A. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on dose habituellement. Quand on va voir dans les recommandations ESC, on nous dit de penser à lipoprotéine petit A si on a un patient qui fait des événements cardiovasculaires répétés incompris malgré un contrôle des facteurs de risque conventionnels qui semble satisfaisant et qu'alors un dosage de LP petit A pourrait être utile parce que c'est déterminé aussi de manière génétique et ça permet de voir si une patiente a un LP petit A très haut, en quel cas ben, on avait une explication mais un peu théorique je dirais autrefois, mais maintenant il y a une solution thérapeutique qui va arriver, et c'est pour ça que je voudrais vous en parler encore pendant 2 secondes. Donc la lipoprotéine petit A, vous voyez, c'est une lipoprotéine qui contient pas mal d'ester de cholestérol et qui est aussi qui contient de la poubée aussi. Et c'est une lipoprotéine qui est hétérogène et prothrombotique par son action, je dirais. Via les phospholipides oxydés qui en font une particule pro-inflammatoire, mais elle favorise aussi l'athérogenèse et elle est également prothrombotique parce que elle va empêcher l'activation du plasminogène. Donc, à partir d'un certain taux, d'une certaine élévation, on considère que ça confère un risque augmenté, vraiment très fort augmenté, d'événements cardiovasculaires et j'ai repris ici les recommandations de l'ESC. Vous voyez que donc il conseille de connaître, de mesurer au moins une fois la LP petit A et quand elle fait plus de 180 mg par décilitre, on considère que le risque de faire un événement cardiovasculaire est comparable à celui d'une hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Donc vous voyez la LP petit A au-dessus de 180, c'est un taux très haut évidemment. Mais en recherchant ça de manière plus attentive, on a trouvé finalement pas mal de patients qui avaient des valeurs qui aussi élevées. C'est une recommandation de A pour l'instant, mais si on a un traitement, ça va changer. Et donc, de la même manière que l'inclisiran, c'est aussi une thérapie
avec un ARN inhibiteur. On a plusieurs patients qui sont inclus dans l'étude ici, on a une quinzaine, avec aussi une injection qui est intermittente. Et on empêche la production de la lipoprotéine, la synthèse de la lipoprotéine petit a. Bon, c'est une étude aussi de phase 3. On va voir si on réduit la mortalité et la morbidité cardiovasculaire. Voilà, donc en restant avec un exposé de moins d'une heure, donc j'ai essayé ici de vous résumer, je dirais, un bref résumé des recommandations, quelques éléments sur la pseudo-controverse des statines. Également, je dirais, les opportunités futures. Je crois que l'inclisiran a vraiment un avenir, à mon avis. La lipoprotéine petit a, on verra si c'est le cas. Et donc, c'est un domaine qui est resté quand même quiescent pendant de nombreuses années. On a eu des statines et puis on n'a pas eu grand-chose. Les étimibes, puis on a eu des médicaments très décevants qui n'ont rien montré du tout. Et puis pour finir, mais ici, on a quand même un renouveau dans ce domaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je suis à votre disposition pour les questions que vous aurez. Merci, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour cet excellent exposé d'un sujet qui n'est pas très digeste en fait, hein, la dyslipidémie, hein, que vous avez présenté oui, hein. de façon très agréable. Vous l'avez présenté de façon très, très agréable et digeste. Donc, chers amis, merci. Merci. Profitez de la présence de notre expert pour poser des questions, soit sur le chat, ou bien vous levez la main pour ceux qui veulent intervenir. Allez-y, à vous la parole, chers amis. Si vous levez la main comme d'habitude. Vas-y. C'est mieux de prendre la parole parce que je ne suis pas sûr que je vois toutes tes mains. Ah non, non, c'est moi qui vois les mains. Y a pas de souci. Ah, c'est vous. D'accord. Allez. Okay. Allez, on va commencer par notre Belge émigré. Là. Allez, Sarah. Allez, donne-nous ton avis. Je ne suis pas encore belge. Vas-y. Bon, j'ai une petite question. Oui. Par rapport à... Dans les recommandations, on a lu qu'en cas d'hypertriglycéridémie, de diabète ou d'obésité, on préfère doser l'ApoB. Je sais que c'est biochimique, mais je voudrais savoir un petit peu l'explication de oui. ça. Oui, d'accord. Bien sûr, ça va avec plaisir. Donc, le point, c'est que les patients diabétiques et obèses, ils ont souvent des triglycérides très élevés, ce qui fait qu'on ne sait pas alors doser... enfin, calculer le LDL cholestérol à cause de la formule de Friedwald là, qui n'est plus valable. Et donc, une façon d'éviter ce problème, c'est de doser effectivement l'ApoB parce que l'ApoB, en fait, te quantifie l'ensemble des lipoprotéines hétérogènes et la LP petit a, en fait, est à l'intérieur parce qu'il y a aussi de l'ApoB là à l'intérieur. Donc, c'est intéressant. Ça permet aussi éventuellement de faire des prises de sang non à jeun, parce que pour certains patients, c'est un peu compliqué, manifestement, de faire ça. Alors, on a des triglycérides très élevés. On sait qu'on ne pourra pas doser le LDL. Or, toutes nos recommandations sont plutôt basées sur le LDL cholestérol. Donc, on peut contourner ça en dosant l'ApoB. Et alors, il y a des valeurs normales qui existent dans les recommandations ESC pour les différents seuils d'ApoB à atteindre, quoi. Personnellement, je crois que c'est plus facile de doser le non-HDL cholestérol. On peut faire les deux. Hein. Mais si tu fais le non-HDL, finalement, tu as aussi à peu près toutes les lipoprotéines hétérogènes. Et l'avantage principal, c'est que la valeur normale à atteindre est plus facile à retenir. Parce que le non-HDL cholestérol à atteindre, tu dois simplement prendre le LDL cholestérol des recommandations et tu ajoutes 30 à ça. Donc, en l'occurrence, un patient qui a un risque cardiovasculaire très élevé, le LDL doit être abaissé en dessous de 55 et le non-HDL en dessous de 85. Donc, voilà, et ainsi de suite. Donc, 116, tu rajoutes 30. Donc, ça permet, je dirais, avec le non-HDL, simplement, et ça ne coûte rien, je pense, de le demander. Il n'y a pas un surcoût, je pense. Ça te permet de te débarrasser de l'effet embêtant des triglycérides et du jeûne quand c'est un problème pour,
pour le patient, quoi. Certains font des voyages longtemps, etc. Et quand ils arrivent ici, ils ne veulent pas partir l'estomac vide et ils ont mangé trop de sucre et tout ça, et les triglycérides sont très hauts. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Ouais. S'il vous plaît, peut-être une petite question pour les diabétiques. En général, est-ce que il y a des recommandations particulières au sujet du traitement? Qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Alors, dans les lipides, il y a moins de choses nouvelles, mais si vous voulez, je parle beaucoup aussi sur les nouveaux traitements diabétiques qui ne sont pas si neufs, mais ils sont surtout neufs pour les cardiologues, qui sont les inhibiteurs SGLT2 et les agonistes GLP1. Donc ça, nous, les diabétologues, ils les connaissaient, mais nous, les cardiologues, on les découvre, en tout cas ici en Belgique. Chez vous, vous avez peut-être plus d'habitude par rapport à ça. Pas du tout. Donc là, il y a tout un domaine très intéressant sur la prévention. Vous avez sûrement vu dans les congrès de l'insuffisance cardiaque et la protection rénale. Et il y a plein de choses vraiment incroyables. Sinon, pour les diabétiques et les lipides, de manière générale, on nous conseille de ne pas oublier qu'il n'y a pas de diabétique à faible risque. Donc, tout patient diabétique est au moins à risque modéré ou moyen, généralement moyen ou élevé à très élevé. Donc, pour la majorité de ces patients, donc un diabétique avec rien qu'une atteinte d'organe cible, une microalbuminurie par exemple, ou une HBG, c'est un patient qui est à risque élevé ou très élevé. Et donc, on doit atteindre alors un LDL cholestérol qui est en dessous de 70 ou en dessous de 55 mg par décilitre. Donc, c'est des patients auxquels il ne faut pas oublier de penser, okay, il ne faut pas oublier de penser au cholestérol. On pense souvent à la glycémie, on pense aux artères coronaires, mais il ne faut pas oublier d'essayer de normaliser leur LDL cholestérol de manière très forte, généralement, quoi. Alors, les diabétiques de type 1 aussi ont un risque cardiovasculaire. Intuitivement, moi, je trouve que, je ne sais pas, dans ma pratique, je n'ai pas l'impression qu'ils ont tellement de risques cardiovasculaires, mais bon, ils sont souvent bien traités depuis longtemps, depuis leur enfance. Mais on considère que quand il y a, je ne sais plus le chiffre précis, mais quand il y a pas mal d'années de diabète de type 1 dans l'histoire médicale du patient, que c'est aussi une situation à risque cardiovasculaire élevé et qu'il faut aussi abaisser le LDL cholestérol. Nos collègues endocrinologues n'y pensent pas souvent. Donc là, c'est plutôt nous qui sommes derrière pour agir sur le cholestérol et eux s'occupent bien sûr plus de la glycémie, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a aussi de neuf dans les triglycérides? Mais c'est controversé maintenant. Donc pour abaisser les triglycérides, vous savez que les triglycérides sont un facteur de risque cardiovasculaire moins puissant que le LDL cholestérol, mais ça intervient quand même. Et puis, on est surtout inquiet pour le risque de pancréatite avec les triglycérides quand ils sont au-dessus de 1000 mg par décilitre, par exemple. Alors, dans ce contexte, donc, on conseille quand même de donner des statines en numéro 1, parce que ces patients ont généralement des facteurs de risque cardiovasculaire augmentés. Alors, pour essayer de maîtriser les triglycérides, il y a les fibrates qui sont mentionnés. Et alors, maintenant aussi, il y a une étude, il y a une ou deux études qui sont sorties avec des oméga-3 à très haute dose, mais il faut donner 2 fois 2 grammes par jour. C'est ce qui n'est pas facile à tolérer manifestement pour les patients. Moi, je n'ai pas l'habitude de donner ça. Et dans une situation avec des triglycérides très élevés et un risque cardiovasculaire très important, les oméga-3 venaient avant les fibrates. Mais récemment, j'ai vu plusieurs papiers qui controversaient ça, qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et bon, peut-être que les oméga-3 vont repasser derrière en troisième position. Mais ça, c'était un des éléments qui était un peu neuf. Les Américains parlaient. Sinon, les GLT2 et les GLP1, c'est vrai. Vous parlez un peu de. Allez-y. Est-ce que le zinfibrosyl, le lipure, a encore sa place ou ça y est, c'est abandonné? Le zinfibrosyl, le lipure. Normalement, c'est fini. Voilà, il devrait arriver en troisième position. Troisième. Hein. Oui, voilà. Non, vous l'utilisez non, toujours. Il vaut beaucoup mieux. Non. Moi, j'ai encore quelques patients sous phénofibrate parce qu'ils ont des triglycérides élevés. Je fais ça pour prévenir le risque de pancréatite.
Mais sinon, les diabétologues aussi, ils donnent surtout des statines, quoi. Et alors, vous savez aussi, il y a le mythe du HDL protecteur. Ça n'existe plus vraiment non plus. On a montré qu'il y a du HDL qui est toxique, par exemple, le HDL du patient diabétique. Quand il est fort élevé dans les recommandations ESC, on considère que c'est un facteur de risque supplémentaire, en fait, parce qu'il y a beaucoup de HDL avec en fait des lipoprotéines petites et denses qui sont hétérogènes. La première étude qui a montré ça, c'est une étude qui a prélevé du HDL à des patients diabétiques et qui les a injectés, il fallait le faire, mais à des volontaires sains. Ils ont démontré que le HDL du diabétique altérer la fonction endothéliale d'un sujet en bonne santé. Et donc, ils sont aussi pro-hétérogènes. Donc, c'est pour ça que la partie, je dirais, triglycérides et amélioration de l'HDL est passée vraiment au second plan par rapport à l'action sur le LDL cholestérol. Docteur Zitouni a une question. Cardiologue fraîchement. Allez, Zitouni, vas-y, pose ta question. Bon, Bonjour. bonjour tout le monde. Merci pour l'excellente présentation. En fait, j'ai une question exactement pour des triglycérides. En cas, une question pratique, en cas d'hypertriglycéridémie chez un patient qui a un risque cardiovasculaire, disons faible à modéré, est-ce qu'on doit commencer un traitement médicamenteux initial par une statine ou on pourra donner des fibrates? Oui, je crois que donc dans les merci hein, pour votre question. Donc je crois que pour les triglycérides, c'est quelque chose qui répond très très bien au régime. Donc bon, le régime hypocholestérolémiant, c'est pas hyper efficace comme action, il faut le dire, mais c'est pas hyper efficace, sauf si les gens vraiment consomment des quantités de viande rouge, de fromage gras, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est pas très très efficace pour quelqu'un qui a une alimentation normale, quoi. Par contre, les triglycérides, ils répondent très très bien à la réduction de la consommation de sucreries. Et nous, Sarah vous l'aura dit, vous le savez bien, on a énormément de patients ici qui viennent d'Afrique du Nord. Et j'ai plein de patients qui adorent le miel, qui adorent les sucreries. C'est vrai que c'est très bon. Ils adorent les dattes et tout ça. Ils m'en offrent plein. Mais c'est une cause majeure d'élévation des triglycérides. Et dans les recommandations ESC, on dit que le régime, notamment la suppression des glucides à action courte, hein, de courte durée, c'est trois croix dans l'efficacité sur la réduction des triglycérides. Alors pour le reste, je pense que votre attitude, elle ne doit pas être dirigée par les triglycérides en soi, mais par le risque cardiovasculaire du patient et son LDL cholestérol. Donc à la limite, si on prend la situation extrême d'un patient qui aurait des triglycérides, je ne sais pas moi, à 400 mg par décilitre, mais un risque cardiovasculaire en prévention primaire de moins de 1% et un LDL cholestérol qui serait, je sais pas moi, à 110 mg par décilitre, je ne lui donnerai pas de statine et moi, je ne lui donnerai pas de fibrate non plus, parce qu'il n'est pas à un taux où on pense qu'il va faire une pancréatite éventuellement de triglycérides et on ne considère pas finalement les triglycérides comme étant un facteur de risque en soi. C'est plus un marqueur, je dirais, d'un ensemble de risques qui font le syndrome métabolique. Mais en l'absence de LDL cholestérol augmenté, moi, je ne le ferai pas. S'il est un risque modéré, par exemple, ben on va probablement vouloir chez lui d'atteindre un LDL cholestérol en dessous de 100 mg par décilitre. Et donc, bon, on peut lui donner une statine d'intensité moyenne, par exemple. Et s'il a 120, ben, il va probablement arriver à 90. Et avec ça, vous aurez contrôlé les facteurs de risque cardiovasculaire. Vous aurez fait le régime pour abaisser ses triglycérides. Normalement, ça doit suffire, je pense. Donc, nous, ici, on ne prescrit plus beaucoup de fibrates. Très longtemps, on avait les endocrinologues qui le faisaient. Et depuis que la HDL est tombée en désuétude, moi, je vois mes collègues endocrinos, ils prescrivent plus, je pense, ou pratiquement plus de fibrates. Merci. Il y Enfin, j'espère que ça a répond à votre question. Merci. Docteur Abdelbaki Shahinez qui a levé la main aussi. Ah, Shaines, bonjour Shaines. Qui a fait aussi un séjour chez vous, là. Oui, hein, mais Shaines, c'est sympa. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Van de Born. Comment allez-vous? Bonjour. Je vous remercie. Ah, bien, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. La présentation était très intéressante. Je vous en remercie.
Merci. Moi, j'ai une toute petite question. Chez les patients à faible risque cardiovasculaire, parfois, je vois des médecins, il y a des patients qui viennent avec des compléments alimentaires type levure de riz rouge, etc. Ah, oui. Et je me suis toujours demandé, est-ce que ça servait à quelque chose? Est-ce que ça avait une certaine action sur le taux de lipides dans le sang? Ou c'était juste, c'est juste l'industrie pharmaceutique? Voilà, j'ai une question par rapport à ça. Je vous remercie. Ok, merci Jeannès. Oui, c'est, j'ai pas parlé de ça effectivement. C'est personnellement, mais j'ai pas la preuve de ça. J'ai l'impression que la controverse des statines a été peut-être encouragée par les gens qui produisent des compléments alimentaires. En tout cas, la controverse des statines a été concomitante à l'essor de ces compléments alimentaires qui échappent à la régulation des médicaments. Effectivement. Et donc, on a pas mal de patients qui ont pris ça. Chez nous, ici, mais c'est récent, il y a eu un procès de l'industrie pharmaceutique classique contre ces compléments alimentaires en disant que c'était de la concurrence déloyale, ce qui fait qu'in fine, maintenant, on n'en voit plus beaucoup ou ils essaient de trouver d'autres alternatives. En fait, l'histoire, si vous avez un peu le temps, l'histoire de la levure rouge de riz, il y a parfois des gens disent la levure de riz rouge, mais ce n'est pas le riz qui est rouge, c'est la levure qui est rouge. L'histoire est impressionnante parce que, en fait, au départ, c'était un médecin coréen qui était un fanat de Fleming et qui voulait trouver une nouvelle moisissure qui puisse reproduire quelque chose comme la pénicilline. Donc, il était à la recherche, figurez-vous, d'une moisissure pour reproduire un antibiotique. Et il était tout content parce qu'il avait, donc, il avait pris du riz de lui, il étudiait aux États-Unis, et il avait pris différentes moisissures avec. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait encore faire ça de nos jours. Et donc, il étudiait ça, etc. Et il avait découvert effectivement que cette levure rouge antagonisait la prolifération des bactéries. Et puis, il n'a pas fini son travail. Il est retourné en Corée. Et ils ont continué là-bas la recherche. Et finalement, il est apparu que cette levure produisait une statine, en fait, qui était la lovastatine. Et la lovastatine a une action bactériostatique, en fait, à haute dose. Donc, c'est probablement la manière dont cette levure se défendait contre les bactéries. Et ça a été, en fait, la première statine qui a été produite de cette manière-là. Puis, on a compris comment elle fonctionnait. Et puis, on a commencé à la produire de manière industrielle, sans passer par les levures, bien sûr. Donc, la levure rouge de riz, telle qu'elle est vendue comme complément alimentaire, en fait, contient la lovastatine. Donc, c'est juste une statine qui se trouve là-dedans, mais faiblement dosée. C'est l'équivalent, je pense, de 5 à 10 mg de simvastatine, mais produite de manière assez aléatoire. Donc, bon, ils prennent du riz qu'ils font, entre guillemets, pourrir avec une levure, et puis ils sèchent ça au soleil, et puis on met tout ça dans des boîtes. Bon, il n'y a pas de contrôle de qualité, je pense. Ici en Europe, il paraît qu'il y aura une agence qui vérifie ça, mais comme ils sortent de toute façon de la législation des médicaments, il n'y a pas de contrôle qui est très bien organisé. Alors, ça fonctionne quand même. Donc, ça fait baisser les taux de lipides. Et vous avez déjà vu, quand vous avez quelqu'un qui a un LDL cholestérol à 130 mg par décilitre, ben, finalement, 10 mg de simvastatine, mais ça va peut-être le baisser à 110 ou 105 mg par décilitre. Donc, ça va fonctionner. Et la dose étant très faible, et les patients, à mon avis, aussi un peu particuliers, parce que chez nous, les patients qui prennent ça, ce sont ceux qui ont lu les documents de M. de Lorgeril et tout ça. Et donc, ils pensent échapper aux statines toxiques en prenant cet extrait qui contient de la statine. Alors, j'ai fait un exposé un jour là-dessus. La question étant, est-ce qu'on peut mentir au patient pour son bien? Bon, la réponse est individuelle à ça, je n'ai pas de conseil à donner. Mais donc, moi, dans ma pratique, je mentais un petit peu au patient en leur disant, ben voilà, écoutez, vous qui aimez les produits naturels, voici un produit naturel
Je ne disais pas que ce n'était pas des statines, parce que ça, c'était carrément mentir. Mais voilà, le patient a regardé sur l'étiquette, il n'a pas marqué statine, il a marqué monacoline K. Et c'est à dessein que les fabricants ne mettent pas l'ovastatine, parce que monacoline K et l'ovastatine sont des synonymes. C'est juste parce qu'ils ne reconnaissent pas les patients monacoline K. Donc, la levure rouge de riz, c'est une statine. Et par exemple, il ne faut pas prendre ça avec une statine, parce qu'on risque d'avoir un surdosage en statine, quoi. Mais donc, la saga de la levure rouge de riz est intéressante à plus d'un titre. Et c'est vrai que ça m'a aidé quand même à atteindre un minimum de réduction d'LDL cholestérol chez les personnes qui étaient, entre guillemets, intolérantes aux statines. Parce que quand il n'y avait pas marqué les statines sur la boîte, ça, c'est ma vue personnelle, il tolérait la levure rouge. Ah oui, c'est une issue, ça. Oui, mais c'est intéressant. Oui. Merci. Merci. Y a-t-il encore des questions? Comme ça, on va laisser notre invité se reposer. Nous souhaitons la bienvenue au professeur Manamani, qui est de Annaba. Vous devez connaître Annaba, une belle ville de la côte Est, qui est chef de service à oui. Annaba. Alors, Manamani, ah, tu oui. me dis quelque chose? Quel est ton avis? Elle est silencieuse, elle est avec nous, là, Manamani. Je suis là. Ah, voilà. Donc, alors, j'ai dit bonsoir à tous Manamani. Déjà. Et, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très on bien. T'entend très bien. Vous m'entendez? Très bien. Voilà, donc je dis déjà bonsoir à tous et je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette présentation, mais bien sûr à remercier également le professeur Benkhedda parce qu'il pense toujours à nous et à nous inviter à ces experts meetings qui deviennent maintenant une habitude voilà, du mercredi. Je tenais à le remercier de vive voix. J'ai une petite interrogation, peut-être très importante, on sait qu'actuellement, les objectifs un petit peu de LDL sont de plus en plus stricts. Ma question est pour les gens qui sont admis pour un syndrome coronarien aigu. Généralement, il est préconisé de rajouter les essimides par la suite, si les objectifs ne sont pas atteints. Alors, est-ce qu'il y aurait un intérêt, puisque je pense que l'analyse de l'étude ImproveIt a montré que le bénéfice de l'association a été essentiellement observé chez les gens de plus de 75 ans. Oui, vous avez raison. Donc, ma question, est-ce que on pourrait prescrire d'emblée les étimibes en association dès la phase aiguë. Merci. Merci, professeur Manamani, pour votre question. Écoutez, ce n'est pas une habitude chez nous. C'est vrai que quand le patient arrive avec un syndrome coronaire aigu, avec l'ensemble du cocktail qu'il reçoit, il y a aussi 80 mg d'atorvastatine à l'intérieur. On n'a pas l'habitude de rajouter les étimibes d'emblée. Je pense que durant la phase aiguë, peut-être que l'extrême vitesse de la réduction du LDL cholestérol apporte peut-être un bénéfice moindre. Mais voilà, j'en suis pas plus sûr que ça. Comme vous le savez, dans la phase aiguë de l'infarctus, eh bien, le LDL cholestérol est déjà abaissé pour une série de raisons. Plus évidemment les traitements qu'on va rajouter. Peut-être que ce serait une sage précaution si on connaît, si on a le LDL cholestérol précédent du patient et qu'on sait qu'il est très élevé, par exemple. Alors, on pourrait le réduire de manière plus brutale. Sinon, dans les faits, dans les urgences, on n'a pas le dosage du LDL cholestérol qui viendra, je veux dire, quand on sera le lendemain ou le surlendemain. Et donc, on n'a pas cette information. Mais peut-être que je pense que c'est une étude qu'il faudrait mener et voir si ça apporte un plus, c'est sûr. Donc, ce serait peut-être intéressant chez les gens chez qui on aurait déjà un bilan lipidique, un statut lipidique précédant la phase aiguë et les objectifs seraient déjà d'une réduction des 65%, voilà, par exemple. Exactement. Donc là, on y sera beaucoup plus rapidement. Ce qu'on a vu, nous, c'est effectivement que avant qu'on ait notre habitude et qu'on mette en place les doses fortes de statine, et c'était du temps des 70 mg par décilitre, et bien avant ça, on avait l'impression qu'on n'arrivait pas aux 70. Et puis, quand on a commencé à donner 80 mg, on a remarqué qu'on y arrivait généralement.
Et maintenant, ce que je constate, c'est qu'avec 10 mg d'ézétimibe et 40 mg d'atorvastatine, comme ça, une dose quand même un peu moindre, parce qu'il y a toujours cette idée d'effet diabétogène un peu qui traîne dans la tête, bien finalement, on arrive très bien à contrôler, à atteindre des objectifs. 55, c'est plus difficile, mais 70, oui. Avec les étimibes, hein, vous serez d'accord, et la torva, on y arrive, hein, c'est pas tellement compliqué. Oui, ok, merci. Avec plaisir. Merci, Madame Mani, pour ta... Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais... Merci. Donc, début juin, mais ce sera en anglais, je vais faire un exposé sur l'intérêt des bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque. Bon, je ne sais pas si ça vous intéressera, mais ce sera en anglais. Et c'est pour l'Arabie saoudite. Ouais. Donc, si jamais ça vous intéresse, bien je peux sûr, vous envoyer le lien. Bien sûr. Bon, ce sera sponsorisé. Voilà, je vais vous envoyer le lien. Ce sera sponsorisé par Menarini, donc c'est un peu orienté la présentation, je vous le dis déjà ici. Mais voilà, c'est peut-être intéressant si ça vous dit. Et je vous disais, je parle de plus en plus à distance avec vous. Il n'y a pas de souci. Hein. Okay. on est partant. Ok, merci. Ben voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore des choses. Okay, peut-être on va donner le mot de la fin à notre ami de Blida, le professeur Nadjar, qui est la Blida, une ville... 50 km d'Alger, un grand centre de cardiologie. Toute belle. Allez, Nadjar, tu clôtures ce meeting. Vas-y, à toi la parole, cher ami. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On a le professeur pour tout son exposé, pour la réponse aux questions qui étaient pertinentes, bien sûr. J'espère que ça aura... un impact pratique sur la pratique quotidienne. Et puis, on ne cessera de remercier le professeur Bonkhadda pour ses habitudes hein, des mercredis. Merci pour tout le monde et merci à bientôt. C'est super, un grand merci aussi. C'est toujours très agréable et à votre disposition, si vous avez d'autres thèmes, je vous ferai plaisir. Merci beaucoup, cher ami, et merci à tout le monde et bonne soirée. Merci.